Are you a slave master in search of something new? Are you an enchantress with an ever insufficient magic budget? Are you a misunderstood genius? Sign up with the Dungeons Company. Assemble your ideal team, train your monsters to defend our treasures from ever stupider heroes. Feel free to give us a call by crystal ball at... and become a part of the Legend of Keepers. Et bonjour à toutes et à tous, et ça y est, Legend of Keepers V1.10 est sorti. Il y a même déjà eu quelques patchs depuis que je fais cette vidéo. Du coup, on se retrouve comme promis pour la sortie du jeu. Ça y est, après plus d'un an d'Early Access sur lequel on a testé plein de choses, on a joué, on a fait plusieurs parties avec tous les héros, testé différents modes. On est parti, on va pouvoir jouer vraiment aux deux nouveaux modes de jeu que je vous avais promis lors de la dernière vidéo. Donc on va devoir en choisir un bien entendu, et votre choix s'est porté via l'Enchantress sur le mode Ascension. Donc on va parler rapidement des deux nouveaux modes. On a maintenant un mode Ascension qui va en fait consister à enchaîner plusieurs parties avec des contraintes de plus en plus fortes. Vous allez voir qu'on va pouvoir monter nos équipes et tout, faire des builds un petit peu custom. Et on a le mode Infini qui lui consiste tout simplement dans un seul très long run à aller le plus loin possible et avoir le meilleur score. Bien sûr, ça va nous aider également à faire monter les niveaux. Alors, nous on va faire le mode Ascension comme je vous le disais. Je précise également que pour l'occasion cette vidéo sort en simultané sur Peertube et sur YouTube. Donc le premier épisode, à partir de la semaine prochaine, lundi midi, on reprend le rythme lundi, mercredi, vendredi à midi. Ça sera en avant-première sur Peertube comme habituellement. Donc si vous voulez la suite, il y aura tous les liens de toute façon dans la description pour en profiter. Alors, on commence, donc je vais le découvrir avec vous, hein. Vous voyez que je suis à zéro de meilleure ascension. J'ai même pas fait la une, enfin, j'ai même pas démarré quoi que ce soit d'ailleurs. Et donc on va regarder un peu comment ça se passe. Donc on joue l'Enchantress et ses sorts super puissants. J'ai déjà construit son build avec ses 15 niveaux. D'ailleurs non, je l'avais reconstruit différemment, mais ça n'a pas dû sauvegarder vu que j'ai pas lancé de partie. Donc on va faire ça ensemble, c'est pas grave. Et hop. Donc du coup, on va faire un build vraiment orienté dégâts bruts. On prend donc tous les cumuls de faiblesse élémentaire appliqués par Ronce Magique augmentés de 2. On prend les 40% de chance d'infliger brûlure pour l'éclair flamboyant. On prend les dégâts infligés par l'éclair flamboyant augmentés de 30%. On prend les attaques de monstres de maître impliquant des effets de dégâts sur la durée qui ont 30% d'infliger un cumul supplémentaire. Rose de gif qui applique gelure, dégâts infligés par les monstres aux héros affectés par gelure augmentés de 20%. Et dégâts infligés par les monstres aux héros affectés par brûlure augmentés de 20%. Donc on va tabasser du héros. Comment ça se passe le mode ascension? Donc vous voyez que pour l'instant je peux pas en choisir d'autres, mais on va avoir ascension 1. On gagne 10% d'or en moins à la fin des donjons. On commence avec une équipe par défaut. On peut qui correspond aux différentes missions qu'on a jouées. On peut éventuellement modifier l'équipe si on veut. Si vous cliquez sur modifier ici, vous voyez que chaque type de monstre a un coût, chaque piège également a un coût. Et vous pouvez, si vous voulez, les changer. Alors attention, dans la limite de votre budget. Vous avez 1500 de budget, vous voyez que cette équipe coûte déjà 1875. Ce qui veut dire que, par exemple, si j'enlève l'élémentaire de vent, eh ben, je ne peux pas rajouter quelqu'un d'autre parce qu'il est trop cher. Donc de base, avec les équipes vraiment basiques et le budget de base, ça reste intéressant de garder ces budgets-là. Hein. Je pense qu'on va pouvoir augmenter ce budget au fur et à mesure du jeu, on verra au fur et à mesure de la difficulté. Moi j'avais pas mal aimé mon run avec les élémentaires, donc je pense que je vais reprendre le run élémentaire comme équipe. Et on est parti. Alors on commence directement avec un pool de sorts, car l'Enchantress a le droit, l'esclavagiste comme on l'a vu dans la série de vidéos précédentes juste avant la sortie, a le droit à un stagiaire. Et l'Enchantress, comme je vous l'avais dit, a droit à des sorts, une salle spéciale de sorts avec des sorts très très puissants. Donc là on a quoi? 75 de dégâts sur la plus basse résistance de la cible, 1% du maximum de morale de la cible par pourcent de vie manquant à la cible. Alors on va pas jouer trop morale donc c'est pas ouf. Et 100 de dégâts de glace et ça met fatigue.
Pourquoi pas, on a la vengeance de Gaïa, dégâts de nature à l'avant, 32 dégâts de feu, 32 dégâts de glace, rebondit sur le héros situé derrière la cible, c'est la résistance à la glace est négative. Et ça c'est assez sympa, ça mélange les héros vers d'autres positions, ça peut être assez sympathique, c'est quand même assez circonstanciel. Luciole incandescente, 4% du maximum de vie de la cible en dégâts de feu pour chaque malus appliqué à la cible. Ça peut être très puissant, mais faut que votre salle soit bien placée pour que vous ayez pu mettre des malus. On peut mettre des dégâts de nature et mettre corps empoisonné, ou alors on met des dégâts de nature et des malus aléatoires. Alors, j'aime bien, c'est aléatoire les sorts que vous allez avoir, hein. Vous pouvez très bien commencer avec celui-ci, celui-ci et celui-ci par exemple dans un seul pool. C'est complètement aléatoire à chaque partie. Je pense que je vais prendre celui-là parce que souvent on aime bien faire mal à ceux qui sont à l'arrière. J'aime bien quand on a un sort pour l'avant, un sort pour l'arrière, mais celui-là nous servira probablement jamais, mais c'est pas grave. Donc, on commence avec les bottes et les 40 vitesses pour les monstres à l'avant. Ouh, c'est pas mal ça. Alors, on va peut-être pouvoir réorganiser. On va se faire une salle très orientée glace devant. Eux vont pouvoir mettre faiblesse de glace et lui fatigue. On a également la possibilité de mettre gelure et de consommer la gelure avec un comme ça. Ça pourrait éventuellement être intéressant. Non mais on va garder la compo de base pour voir. L'élémentaire ancestral là peut mettre gelure et lui en fait peut consommer tous les cumuls de gelure, donc les déclencher instantanément. Donc si le mec gelure, c'est 5% de maximum de vie par tour. Si le gars a mettons 2 stacks de gelure, il va les consommer, donc elles vont disparaître, mais par contre il va perdre direct 10% de vie. Donc ça peut être assez puissant pour one shot des héros. Donc on va garder cette compo là je pense. On va voir ce que ça donne au moins pour les premiers combats. De toute façon, on commence avec 2 semaines identiques. On peut choisir en gros hein, de dépenser de la thune pour acheter des monstres, entraîner ou améliorer les pièges. Nous, on va entraîner nos monstres direct, on va claquer tout l'argent pour ça. Donc là, on ne fera rien, on va jeter un œil vite fait au marchand, mais non, ça ne m'intéresse pas comme je m'y attendais. On va prendre l'événement. Accident du travail. Ah, on perd 75 de dégâts, mais on peut choisir de le frapper ou de l'insulter. Un stagiaire a renversé sa boisson sur nous. On va prendre des larmes. Vu qu'on risque de pas mal consommer du sang, on va prendre des larmes. Et là, on ne peut pas se permettre d'envoyer quelqu'un en déplacement, malheureusement. On va donc prendre l'événement. Un mage avec un drôle de chapeau est tombé du ciel et s'est écrasé dans le hall d'entrée. Il avait sur lui un artefact magique. Le croc de Melinda. Les attaques de démons régénèrent leur vie de 150% des dégâts infligés. Est-ce qu'on a des démons? Oui, on peut prendre des démons. Est-ce qu'on a des démons dans notre pool maintenant? Élémentaire, 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 élémentaire. On n'a aucun démon pour l'instant. Mais ça pourrait quand même être utile. Ça peut permettre de tanker des groupes de héros de manière assez badass, hein, ce truc-là. Hein. On va le prendre. Et on va tout de suite faire notre premier combat. Alors, il nous faudrait de l'or. On commence direct avec une salle de repos. Eh bah oui, tentons ça. Allez hop, c'est parti. N'oublions pas qu'on a 10% d'or en moins à la fin des donjons. Hein. Alors, on va commencer par un sort, ensuite un piège. Qu'est-ce qu'on a? On a Monsieur Bibendum, dégâts de glace à l'avant, peut pas être affecté par poison. Alors oui, je l'ai pas dit, pour la sortie, il y a des nouveaux héros, des nouveaux monstres, des nouveaux pièges. Et des nouveaux champions, et là on a par exemple un des nouveaux héros, un mec qui joue de la guitare, qui fait des attaques de zone et qui met esquive sur ses potes. Et en plus il est de base très rapide et là il est encore plus rapide, donc une petite saloperie quand même. Et lui, dégâts de glace, mais il touche tous les monstres. Ok. Bon. Là on va avoir applique fatigue. On pourrait consommer éventuellement la gelure avec lui directement, mais bon, il restera qu'une stack, c'est pas fou. D'un autre côté... Non, on va lui remettre la gelure. Et ici, il nous faut tanker de la glace devant et tanker de la glace derrière. Ah, j'ai bien envie de dire... ça tombe bien, on a un bulle de glace, donc on va mettre lui devant, il va avoir quand même 80 de vitesse. Ce qui est pas mal. Normalement les élémentaires sont très lents. Hein. Ici ça restaurera du moral donc c'est pas un problème. Alors, un petit peu de résistance à la glace derrière. Enfin, surtout que lui va toucher tous les monstres, pas vraiment attaquer derrière.
le 80 de résistance devant, et boum. L'avantage aussi, c'est qu'on résiste assez bien au physique. Lui, il fait des dégâts de zone physique, et souvent les monstres sont assez faibles physiquement. Les élémentaires sont plutôt pas mal pour ça. Là, on va mettre la fournaise, ensuite on aura notre sort, et enfin, le maître. I'm waiting for you. Alors, on va voir le piège. On pourrait commencer par leur mettre petite faiblesse élémentaire, parce que lui, le problème, c'est qu'ils sont efficaces contre la glace. Ils vont pas nous faire beaucoup de dégâts, mais nous non plus, on va pas leur faire beaucoup de dégâts. Allez, bim. Et vous voyez, il m'a esquive lui directement. Il va jouer de sa guitare. En plus, il met saignement de groupe, hein, c'est assez désagréable. Alors, on pourrait affaiblir la glace sur lui. On pourrait faire ça, mais le problème c'est que lui va esquiver, vous voyez qu'on lui fait pas de dégâts. Hein. Donc ça sert pas à grand chose de consommer la gelure pour l'instant. On va voilà, utiliser cette attaque pour se débarrasser de ça. Alors là, lui il a 35% de résistance à la nature. On va commencer à faire mal à celui qui est derrière. Lui mettre une petite faiblesse de la à la nature, c'est pas plus mal. Boum. Alors là, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, on va faire mal. Bim. On voit que ça a consommé la gelure, mais du coup ils ont pris les dégâts de gelure instantanément. On profite de la résistance à la faiblesse à la glace qui est toujours là. On cumule la fatigue, hein, il fait de moins en moins de dégâts. Bon, on se fait user quand même, hein, il n'y a pas de miracle par les attaques de groupe. Bim. Alors, est-ce qu'il va tenir entre la gelure et le saignement? Ouais, il a tenu. Il va pouvoir mettre une dernière attaque. Bon, la faiblesse à la glace est tombée malheureusement, donc on fait moins de dégâts. On a plutôt bien géré ce premier tour avec nos monstres, vu qu'on n'était pas spécialisé pour focus, on a fait des dégâts relativement distribués, je suis content. Là on va pas pouvoir mettre une dernière attaque et on va crever. Alors moi je trouve le jeu toujours aussi bon. Hein. Là j'ai dû courir pour pouvoir faire toutes les missions de l'enchanteresse pour débloquer une bonne ascension. Donc j'ai fait les 5 en une soirée. Je me suis vraiment bien éclaté. Hein. Oui, t'as les bottes et les toi qui joues. Alors du coup, on pourra mettre un peu de faiblesse. Le problème c'est qu'il a son esquive. D'un autre côté, tu peux faire que attaquer devant. Donc, go. Alors là du coup, on va balancer de la jure. Bim. Et là, on va balancer de la brûlure. Voilà, lui devrait avec un peu de bol crever, parfait. Est-ce qu'on va tenir? Oui, de justesse. Donc là on va consommer les stacks de gelure pour pouvoir finir celui-là et bien bien endommager lui. Alors là on peut faire des trucs. Dégâts doublés si la cible est affectée par gelure. Donc lui il est pas mal parce qu'en fait ses attaques sont toutes combinées en fait. Là on fait des dégâts d'air et on réduit la résistance à l'air. Et on fait plus de dégâts si la cible a brûlure. Là on fait des dégâts de feu, on met brûlure et on fait plus de dégâts si c'est affecté par gelure. Et là on fait des dégâts de glace, on met gelure et on fait plus de dégâts si la résistance à l'air est négative. Donc en fait on est censé pouvoir plus ou moins les enchaîner. Là vu qu'il y a brûlure, on va prendre ça. Voilà. Alors lui va mourir du saignement. Bim, on résiste. On lui met une petite faiblesse à la glace parce que ça mange pas de pain. Et c'est parti. Voilà, pas mal. Pas mal, pas mal pour un premier run. Bon, le build marche pas trop mal. Alors, on peut avoir un élémentaire instable, une majorette squelette ou un naga.
Alors le Naga est assez costaud, mais le problème c'est qu'il joue beaucoup sur le moral, donc je pense qu'on va prendre la Majorette. J'aime bien la Majorette. Elle fait des dégâts physiques à l'arrière, ce qui est assez rare, et souvent à l'arrière les héros sont très faibles. Alors, on a gagné des sous. On va voir si on peut pas améliorer un petit piège, notamment celui-là. On va prendre l'événement. Inventaire de la réserve, il est grand temps de faire un état des lieux dans l'entrepôt. Pendant le nettoyage, l'un de vos employés tombe sur cet étrange objet. Souhaitez-vous le prendre, le vendre au plus offrant ou le donner à l'employé? Ah, la capsule d'azote liquide. Ah bah, on va carrément le prendre. Les dégâts de glace des attaques sont infligés sur la résistance au feu si celle-ci est inférieure à la résistance à la glace. Y a pas photo, ça va tabasser. Et là, on peut se permettre un déplacement pour se faire un petit peu de sous. On pourrait avoir la pierre des deux oiseaux en échange d'envoyer Acera. On va le faire. On a déjà là semaine 9, on est déjà blindé d'artefacts, ça fait plaisir. Par contre, on peut pas trop se permettre d'en envoyer un autre. Mais on peut entraîner personne avec les sous qu'on a. Tant pis, on va rien faire cette semaine-là, c'est comme ça. Et là, on a quoi? Encore un artefact, mais peu d'or, un monstre et de l'or. On va prendre le monstre. À quoi ressemble notre build ici? C'est pas mal. Ce serait peut-être plus intéressant que elle soit là. Pour attaquer, parce que le problème c'est que lui attaque à l'arrière, elle attaque à l'arrière, elle lui attaque à l'avant. On a personne d'autre qui attaque à l'arrière, mais on a lui qui fait des dégâts de zone. Ça pourrait quand même être intéressant. Donc là c'est un peu dommage, on met pas de brûlure. Mais on va essayer ça quand même. Ouais, on va essayer ça comme ça. Et donc on a dit on prend celui du milieu pour avoir un petit peu de sous. Alors, le concertiste, la pisteuse, le sage. Donc on a le piège, ensuite on a notre sort. Ça pourrait être pas mal de faire le plus mal possible à lui là. On va peut-être pouvoir lui balancer ça, il est très faible à la glace. Du coup, un petit portail polaire pourrait être de bon aloi. Ou alors de la brûlure. Ouais, de la brûlure, tiens. On mettra la gelure ici avant cette équipe-là. Alors du coup, de la glace devant, du feu à l'arrière et du physique de base. Donc de la glace devant, ça va être pour toi. Du feu à l'arrière, ça va être pour toi. Et Megan a gagné esquive, donc elle résistera à la première attaque du gars ici. C'est pas si mal. Ici, on prend le portail polaire. Et là du coup, alors le feu à l'arrière, ça va être compliqué. Ça va être pour toi, Tendro. Toi, tu vas aller devant. Non. T'as quand même plus de résistance à la glace que lui, donc va ici. Donc après, c'est bien d'avoir des salles hyper spécialisées parce qu'on fait plus de dégâts. Par contre, on peut se faire très vite sniper par un héros de ce genre-là. Allez, on le défonce, bim. Et là on est orienté attaque à l'arrière. Alors c'est pour le coup dommage parce que c'est l'un des rares héros, il a une armure de fou le Ménestrel, donc malheureusement la Majorette va pas pouvoir faire grand chose, mais bon, c'est comme ça. Alors dégâts infligés doublés si la cible est infectée par brûlure, donc lui va esquiver dans tous les cas. J'hésite. Je vais leur remettre un peu de brûlure. Lui esquive donc c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, c'est chiant mais on n'avait pas le choix. Nous aussi on est capable d'esquiver. Alors là le lancer de bâton on va rien faire, par contre on mettrait vulnérable. On peut aussi attaquer, faire des dégâts de feu. Mais ils sont relativement résistants donc non. On va lui mettre vulnérable, il va avoir fatigue et vulnérable, ça va être d'autant plus costaud. Et là, on lui balance une petite boule de magma dans sa tronche. Nickel. Il n'a pas encore utilisé sa capacité, lui. Alors, ils sont affectés par brûlure. On va donc se faire plaisir avec ça. Voilà, lui, il va enlever les, il va enlever ça. Ok, très bien. Et là.
toi t'as combien? 15 d'armure, ça va être un peu plus intéressant. Bim, vulnérable, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Bon par contre, très bonne résistance au feu j'imagine, oh ça va. Hop là. Alors, on remet de la faiblesse à l'air ou on recumule de la brûlure? Ils ont quoi comme résistance à l'air? Ils ont tous les deux une résistance à l'air positive, donc on va refaire ça, deux fois les dégâts, et en plus on met la faiblesse à l'air. Ça va permettre de se faire un peu plaise. Ok, elle est morte, 14 PV, elle devrait cramer avec sa brûlure. Du coup, on va remettre de la brûlure. Voilà, parfait. Alors là, malheureusement, notre ligne va commencer à s'effondrer. Par contre, lui, il a très peu d'armure et ça, c'est cool. Mais c'est un gros sac à PV, ça, c'est moins cool. Une petite boule de magma parce qu'il aime pas le feu, hein, forcément. Il est pas mort, ça sera trop facile. Et on va le buter, hop là, au premier groupe. Propre, franchement propre. Et on va pouvoir prendre, je pense, le manche-flamme. Lui, extrêmement intéressant aussi, permet de faire comme l'élémentaire de glace, mais avec la brûlure, c'est-à-dire consommer les stacks de brûlure. Et ça peut faire très très mal. Alors, un petit pillage, oui, ça me va bien. Alors là, on a quoi? Château seigneurial, de l'or et de la motivation, on n'a pas trop besoin. Là, on peut améliorer un piège et trouver un monstre. On va prendre le piège. Et on a malheureusement quelqu'un qui a été blessé, la majorette qui a été blessée, mais on est bon, on a pu faire ce qu'il fallait. On va prendre le fitness là, on est un petit peu juste, mais l'enchantresse étant assez faible, il faut vraiment être tanké quand des héros lui arrivent dessus. Est-ce qu'un petit psychologue ça pourrait aider? Ouais, on a quand même un petit peu baissé la motivation. On va prendre le psychologue, mais on va prendre le truc de base. Pour gagner un petit peu d'or, pour envoyer quelqu'un en formation. Plus deux niveaux, c'est parti. Et là, on a normalement assez de monde. Parfait, de justesse. On va avoir le manche-flamme, ce qui est parfait pour cette compo. Et eux là. Et on va affronter un petit champion des familles. C'est parti. La nécromancienne. Des gros dégâts de glace. Mais la bonne nouvelle, c'est que elle gagne du moral, des gains enragés quand on lui fait des dégâts de morale, et on va probablement pas lui faire beaucoup de dégâts de morale. Donc là, on va peut-être prendre la faiblesse élémentaire, je pense. Donc dans ce piège-là, on va caler de la brûlure. Alors ici, par contre je suis pas convaincu qu'on va être très très résistant là. On a besoin d'une résistance à l'arrière et à la glace à l'arrière. Donc théoriquement faudrait que ce soit lui qui s'y colle, mais c'est aussi le seul qui a une armure potable hein, pour résister à lui. En plus il met armure brisée, donc de tous les cas il va dépouiller, moins 40 d'armure. Est-ce qu'on met lui? Mais elle, là on la met vraiment pour la sacrifier. Après elle a esquive, donc c'est plutôt cool. Ouais, elle a esquive et comme personne ne fait d'attaque de zone, elle va de toute façon esquiver sa première attaque, donc ça c'est très très bien. Donc ouais, elle va faire un tank tout à fait acceptable. Alors ici, qui c'est qui a de la résistance à l'air? Plutôt toi, tu fais glace et air. Parce que elle fait mal hein. 80 dégâts de glace, si en plus elle est enragée, c'est vraiment la teuf. On va se placer là. Là il regagne quoi? 15% de maximum de vie juste avant d'affronter le maître. Il fera avec. Alors, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Non, je pense que les ronces magiques, clairement, c'est ce qui va nous être le plus utile. Les petites musiques sont vraiment cool, il y a plein d'autres musiques, il y a des musiques pour les champions aussi et tout. C'est vraiment sympathique, j'aime beaucoup. Alors on va éviter le moral. Ici, ils sont tous affectés par brûlure. On
On peut donc balancer ça. Bim. Ça pique. On va consommer la brûlure directe. Vous voyez que ça fait très très mal. Hein. Je suis pas convaincu qu'on puisse en remettre. Si, on va peut-être pouvoir en remettre au moins une avec lui. Parce que lui, ses deux attaques sont très intéressantes. Hein. La première augmente le malus qui a le plus de cumul. Le problème, c'est que là, on augmentait la faiblesse à l'air. C'était pas franchement fifou. Et du coup, on va remettre un petit peu de brûlure. Voilà, 3 stacks de brûlure, c'est parfait. Donc, malheureusement, lui va céder pour la cause, mais là, on va pouvoir faire très très mal. Là, le champion est mort, ça va les calmer déjà. Lui, il est mort. Merci de me disparaître d'ici. Et là, bon bah lui on va pas pouvoir le tuer avec les deux qui nous restent parce que lui fait trop peu de dégâts, surtout qu'il a une bonne résistance au feu. Et lui va nous défoncer. Mais par contre, on va très clairement le terminer dans les trous d'après. Je crois qu'il est faible à la glace lui, hein. Ouais, moins 40% contre la glace. Bon, on lui montre sa faiblesse à l'air, c'est pas très très grave, hein, tant pis. Quand même bien résisté le petit manche flamme. Et là normalement on a la congélation, dégâts de glace plus la fatigue. Il va faire 50% de dégâts en moins. On va le défoncer. Clairement on va le défoncer. Voilà. Une petite stalactite et bam. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors on a le leurre qui fait du moral et multi-action pour le piège suivant. Pourquoi pas, on a le seigneur squelette, très très bon lui dans ce genre de build. Dégâts d'air à l'avant ou dégâts de glace à l'arrière, et selon son emplacement, il peut se transformer en squelette aléatoire où ses attaques rebondissent sur tous les autres héros. Et là, dégâts infligés par les sorts de maître augmentés de 50%. Ah, ça c'est bon aussi ça. Parce que les sorts de maître, ça compte notre salle de sort standard et la salle de sort de maître améliorée. Je pense qu'on va prendre ça. Parce que là, clairement... ça va piquer. Alors, on a un petit peu de sous. Est-ce qu'on a besoin d'acheter? On est un peu juste en monstre quand même. Là, on va probablement avoir un blessé qu'on peut pas trop se permettre. On va regarder si on a des gens intéressants. Alors, le savant squelette, c'est pas trop dans notre délire. Par contre, la succube, ça pourrait être bien. On va prendre la succube. Et là, on va prendre le pillage. Qu'est-ce qu'on nous propose de beau? Alors là on les envoie picoler, ils sont indisponibles pendant 2 semaines, mais ils gagnent en motivation et on trouve un monstre. Là on peut trouver un artefact, et là... ah c'est pas mal ça. 1 de motivation et délivrer un monstre 75% pour 35% d'être blessé, on prend. Et on a libéré un mage sombre, c'est pas dingue, mais c'est pas grave. Alors là on va prendre le fameux rituel, vous allez avoir de temps en temps du rituel, vous gagnez des essences du savoir à chaque fois qu'il y a c'est l'heure d'un rituel. Donc ce que vous gardez, vous pourrez l'utiliser la prochaine fois. Et en gros vous allez pouvoir soit débloquer des nouveaux sorts, le coût dépend globalement du sort, soit améliorer vos sorts existants. Donc vous voyez que ce sort là ça coûte 20 de l'améliorer, ce sort là ça coûte 50. Donc nous je pense qu'on va débloquer, il est où? La vengeance de Gaïa, parce que j'aime bien avoir un sort assez énervé pour taper devant. On va améliorer la congélation, que au final j'ai tendance à plus utiliser que la faille élémentaire. Et on va améliorer la vengeance de Gaïa également. Et celui-là on va le laisser, de côté. Donc on a 30, on aura du coup 130 normalement lors du prochain rituel. Ici, un bonus maître, un monstre, un bonus maître, on va prendre l'or et le bonus maître, je pense. À quoi ressemble notre build? On a la succube ici, on a lui qui est là. Oui, c'est pas mal. Allez, on se fait une dernière salle et on arrête l'épisode. Alors bien sûr, entre les épisodes, je renommerai les personnages avec les noms que vous voudriez bien me donner. Donc j'en ai déjà une liste que j'ai récupérée. Je vais me faire un plaisir de donner des noms fort sympathiques à tout le monde. On va reprendre la brûlure là, ça avait plutôt bien marché. Toc toc toc.
Ils ont des armures positives, ce qui veut dire que la succube va pouvoir toucher l'intégralité de tout le monde. Par contre, ils sont relativement résistants au feu, relativement pas résistants à la nature. Est-ce qu'on a quelqu'un? Donc, toi derrière pour résister à la glace. Toi, tu vas de nouveau tanker devant. Alors, le problème, c'est que l'esquive va être consommée par lui. Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah non, lui il touche tout le monde. Stop, stop. On regarde mieux ce qu'ils font. Lui il touche tout le monde. J'ai eu un doute et c'est ça, il touche tout le monde. Donc du coup, il faudrait qu'on mette lui devant pour tanker le plus possible. C'est quand même le plus résistant qu'on a, plus de vie et plus d'armure. Ensuite, du coup, on va pouvoir se permettre de prendre toi. Et après, je pense qu'on va prendre toi. Megan, il y a une armure positive ici, donc Megan va pas être hyper utile dans le contexte. Son esquive va être consommée par une attaque de zone un peu bidon, donc c'est pas forcément très grave. Alors là, de l'armure, de l'armure, de l'armure. C'est parti. Le piège juste avant le mettre, je suis jamais très très fan, mais c'est pas grave. Alors, on n'en a qu'un ici, c'est dommage. Alors, on pourrait faire mal à celui-là. On va clairement faire des dégâts de zone, donc ça pourrait être intéressant. Après, baisser leur résistance. Ouais, on va baisser leur résistance, clairement. Alors lui, voilà, il fout de l'esquive, de la rage, donc ça va piquer. La résistance à l'air est globalement négative, donc on pourrait stacker un peu de gelure. Au moins pour désactiver son truc, et après on stackera de la brûlure pour pouvoir consumer avec lui éventuellement. On va voir combien de temps dure le groupe. Voilà, elle typiquement elle va faire une attaque et derrière ce sera fini, mais elle va mettre brûlure à tout le monde et ça c'est cool. On va persécuter un peu. Pour augmenter le temps de faiblesse élémentaire là. Alors là faut tenir. Ouh, c'est juste. Alors vous voyez hein, l'un des intérêts de du croc hein. Eux du coup ils attaquent, c'est la teuf, ils regagnent leur vie quoi. Alors là, est-ce qu'on consomme ou est-ce qu'on augmente? On va augmenter parce que de toute façon les consommations vont se faire après. Donc on va plutôt essayer de faire en sorte qu'il garde ce truc et vous voyez, il a regagné toute sa vie. Ça fait assez plaisir. Un contre 3, ça va pas non plus le sauver, mais il peut encaisser un peu plus du coup. Alors, ici, est-ce qu'on peut finir celui-là? La congélation. Avec la faille élémentaire, on le finirait. On pourrait également faire très mal à celui-là. Je pense que ça va être plus intéressant. Alors, on va finir celui-là, en plus on lui met prime. Bon, prime c'est accessoire, hein, mais ça peut toujours être utile. Du coup, il a gagné son esquive, ça c'est chiant. Principalement parce qu'on va pas pouvoir le tuer avant qu'il attaque. Donc il va avoir droit à une attaque. Bim, mais il s'est tué avec les épines. Alors, ouais, on va y aller comme des porcs. Faut faire tomber celui-là. Et boum. Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Volant. Et on gagne une petite amélioration, les ronces magiques, plus de vie, ou alors la rose de givre. Ah. On va prendre les ronces, je pense. Plus de faiblesse élémentaire, plus de dégâts. Ça reste relatif, hein, 5 de dégâts en plus, mais c'est quand même pas mal.
Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. N'oubliez pas, dès lundi sur Peertube, la suite à midi. Et on se retrouve très vite. Merci à toutes et à tous.